Le coureur de l'équipe Cofidis qui apporte à sa formation une première victoire d'étape. C'est juste monstrueux ce que vous venez de réaliser, de gagner comme ça une étape du Tour de France. Vous réalisez déjà? Pas vraiment, mais c'est vrai que en fait, quand j'ai fait mon effort, je réfléchissais même pas à gagner ou quoi. C'était juste faire mon effort au maximum. Je voyais la ligne, je regardais sur le compteur, je voyais 500 mètres, 400 mètres. Je voyais les watts qui baissaient un tout petit peu. Je me disais, allez, j'ai quand même remonté dedans. Mais voilà, j'y ai cru jusqu'au bout et c'est un truc de fou. C'est vrai qu'hier, j'étais un peu frustré à l'arrivée. Et concrétisé aujourd'hui dès la deuxième étape, c'est un truc de malade. Mais vous la sentiez venir parce qu'effectivement, hier, vous étiez déjà très très bien. Ouais, j'étais un petit peu moins bien qu'hier. Aujourd'hui, il y a eu un gros tempo toute la journée, c'est pas ce que j'affectionne le plus. En plus, j'avais un point de côté dès le milieu d'étape que j'ai traîné dans la dernière bosse où j'étais un peu limite. Mais voilà, je me suis vraiment accroché. Je me suis dit, pour une fois, je vais avoir un plan dans le final, ce que j'ai pas forcément d'habitude. Et je me suis dit, ce qui est sûr, c'est que sûrement ça allait attaquer dans la petite bosse à la fin, alors j'ai laissé faire. Et je me suis dit, je fais le kilomètre ou sinon j'attaque dans la descente, je voyais comment ça faisait. Mais je restais un petit peu derrière pour arriver avec l'élan et là, j'ai vu que ça ralentissait un petit peu. Et puis je suis passé, je suis mis un peu en position aéro. Je me suis dit, maintenant, calcule plus. De toute façon, au pire, je me faisais avoir. Même si je prenais une cassure, c'était pas si grave, parce que dans tous les cas, je suis pas là pour le général. Donc, c'est un truc de malade. Vous battez Wout Van Aert, vous battez Tadej Pogacar, vous battez Vingegaard, rien que ça. Ouais, disons que hier, j'ai été victime du marquage. Aujourd'hui, peut-être j'en ai profité un petit peu. Après, j'ai vu que Jumbo avait beaucoup travaillé dans le final. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis dit que peut-être faire le coup du kilomètre, c'était une bonne idée, vu qu'ils étaient un petit peu entamés. Wout n'allait pas rouler de lui-même, donc j'ai un peu joué là-dessus et je pense que c'est ce qui m'a fait gagner. Bravo. Merci. Bravo.